La chimie, c'est quoi pour vous? Quand on vous dit chimie, plusieurs images vous viennent à l'esprit comme atomes, molécules, classification périodique, tube à essai et peut-être même explosion, comme dans les films. Mais qu'est-ce que la chimie? La chimie, c'est la science de la matière, sa composition, ses transformations et ses propriétés. La matière, c'est tout ce qui possède une masse et occupe un volume. C'est tout ce qui constitue notre univers et notre environnement. Elle est composée d'atomes qui en sont les briques élémentaires. Le chimiste étudie ces atomes, il les assemble, les désassemble, il joue avec pour synthétiser de nouvelles molécules. Depuis toujours, les hommes ont extrait les matières premières naturelles et sont également capables de les transformer. Le sable devient un matériau inorganique, le pétrole un polymère et les plantes des principes actifs à visée thérapeutique. La chimie s'intéresse aussi aux propriétés de la matière. Propriétés magnétiques, électriques, mécaniques, thermiques ou optiques. Tous les nouveaux produits résultent de l'œuvre du chimiste. La chimie, c'est comprendre et expérimenter et toujours confronter la théorie à l'expérience. La chimie, c'est créer. Où trouve-t-on de la chimie? La chimie est partout. Dans le secteur de la pharmacie, évidemment, pour la conception de nouveaux médicaments, dans les cosmétiques et les parfums, l'agriculture avec les pesticides et les engrais, dans le secteur agroalimentaire avec les arômes et toute la phase de contrôle qualité, dans le secteur de l'énergie qui est très porteur, ainsi que dans le secteur des matériaux, l'aéronautique et l'automobile, dans l'environnement, mais aussi dans le sport, le patrimoine, les enquêtes policières. La chimie est partout. La chimie interagit-elle avec d'autres disciplines? La chimie, matière qui étudie la matière, science d'analyse, sert d'outil à d'autres disciplines et ainsi se retrouve à l'interface avec la biologie, par exemple, la physique ou la géologie. Et connaissez-vous les grandes spécialisations de la chimie? Elles sont très nombreuses et variées. La chimie physique, la chimie verte, la chimie industrielle, la chimie analytique, qui est essentielle car elle étudie la matière et sert à comprendre sa structure et à fournir des informations sur sa composition et ses propriétés. La chimie des matériaux, qui répond aux besoins du quotidien de la société et des industriels pour des applications courantes, souvent dans l'innovation. La biochimie, qui est l'application de la chimie aux organismes vivants. Elle permet de comprendre les liens entre les molécules et l'organisme, de la génétique à la nutrition. La chimie de l'environnement, qui étudie la qualité de l'eau et de l'air et des sols, la réactivité des substances toxiques et leur impact sur l'environnement, elle est essentielle pour la protection de notre cadre de vie. Connaissez-vous les métiers de la chimie? Le chimiste est connu pour travailler en laboratoire en tant que chercheur ou chimiste d'analyse. Il peut être aussi enseignant ou responsable qualité, hygiène, sécurité ou ingénieur procédé. D'autres professions nécessitent une bonne connaissance de la chimie comme acheteur de matières premières, technico-commercial, chef de produit marketing ou conseiller en propriété industrielle. Si la chimie vous intéresse, venez nous rejoindre. À l'UPMC, nous proposons en chimie une offre de formation variée, en licence, master et doctorat. Notre enseignement s'appuie sur une recherche de renommée internationale avec plus de 500 chercheurs et enseignants-chercheurs qui produisent plus de 5000 publications par an.